Alléluia. Laissons proclamer le Seigneur. Merci, 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 mon Christ. Avant de chanter, j'ai une expérience à partager avec vous dans 2 minutes. Un jour, je dormais la nuit, le Seigneur m'a fait une vision, il devait faire un concert. Il était à Abidjan, ici, à l'hôtel communal, à Cocody. Et à ce temps-là, les gens ne me connaissaient pas encore, mais il y avait beaucoup de monde qui me connaissait les chansons, ne connaissait pas le visage. Et j'ai organisé les concerts avec mon manager, on n'avait pas d'argent. On a organisé les concerts, et quand on a organisé le concert, j'attendais, je m'attendais à plusieurs, beaucoup de gens. Et les concerts, bizarrement, les gens n'étaient pas venus beaucoup. Mais pendant que je commençais à chanter, le technicien a enregistré le concert. Et c'est ce concert-là qui a fait que les gens m'ont découvert aujourd'hui dans le monde. Les concerts, comment j'ai fait? Les gens ont enregistré, ils ont vendu des CD. Ces jours-là, j'ai fait au moins 6 000 CD vendus à 3 000 francs. C'est-à-dire que même le prix des tickets était à 2 000, 5 000, mais on a vendu les CD à 3 000 francs. On a vendu 6 000 CD de concert. Ça fait que les autres sont partis jusqu'au fin fond du village. Et quand maintenant je suis parti encore sur la même salle pour organiser le concert, il n'y avait plus de place. Il faut écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es condamné à réussir malgré les combats. Et aujourd'hui, quand je vois, je pars dans certaines nations, et des pays même aussi me faisaient rêve, même un cauchemar, je n'allais pas rêver, j'allais aller là-bas. Mais Dieu m'envoie là-bas, pas pour chanter dans une église, pas pour faire un concert dans une église, mais faire un grand concert peut-être à 6 000 places. Et c'est rempli. Et je me suis souvenu du rêve que j'avais vu là. Voici la matérialisation. Amen. Donnez-moi la main bien. Amen. Je voulais juste dire aux gens de yoga, les staff de yoga. Vous savez, la vraie prophétie commence par son sens contraire. C'est pour ça que la Bible dans la Genèse dit, quand Dieu sépara le ténèbre et la lumière, il a eu la nuit et le. On commençait d'abord par là, la nuit, et puis enfin le jour. Donc la prophétie peut commencer d'abord par un sens contraire. Comme on amène vitamine. Une prophétie, mais qui commence son accomplissement par un sens contraire. Je sais que dans les jours à venir, lorsqu'on dira, Yoka en train d'organiser le concert, je vois Yoka en train d'organiser le concert à Paris. Je vois Yoka en train d'organiser le concert.